Good morning, allez Yiden et Sussra aujourd'hui, les Lounishmat Richard, Aaron, Ben Fortune et Mazal, ainsi que leur fratrana, la Ben Gidel Deborah, Sarah Bat Nechama et Efrat Bat Sarah Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez, vous aussi, d'aider une prochaine étude de Mishnah à contacter les 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui Maserhet Psachim, Prek Yud, Mishnah Tet, la dernière Mishnah de la Maserhet, Bezrat Hashem, à Pesach, Achar Chatzot, Metame et Hayadaim, à Pigoul, vers Notar, Metam In et Hayadaim. Berach birkat ha-pesach, patar et shel zevach. Berach et shel zevach, lo patar et shel pesach. Divrei Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva omer, lo zu poteret zo, velo zo poteret zo. Deux sujets dans notre Mishnah. Le premier tout d'abord, c'est à Pesach achar chatzot, le korban pesach que l'on mange, que l'on doit manger le soir de Pesach, donc, Achar Chatzot, passé l'heure de Chatzot, eh bien, Metamet Ayadaim, il rend impur les mains. De même, et après on explique c'est quoi là, ça rend impur les mains, à Pigoul Vanotar, c'est les Korbanot qui ont eu des problèmes, deux types de problèmes qui ont invalidé le Korban. Soit Pigoul, c'est le Korban qu'on a fait avec une intention de le manger au-delà des périodes permises de consommation. Chaque Korban, il doit être mangé entre un jour et deux. Un jour et une nuit, deux jours et une nuit au milieu. Et moi, quand il y a celui qui a fait la shrita, au moment où il a fait la shrita, il s'est dit qu'il allait le manger en trois jours, en plus. Ou bien il a même pensé à le manger à l'extérieur des limites d'espace permises. Donc ça, c'est il a rendu pigoul, ou pas soul. Notar, c'est du korban que je devais manger donc en deux jours, et que une fois que j'ai passé les deux jours, il me reste encore chez moi. Alors, j'ai plus le droit de le manger. Tous ces korbanes-là, j'ai pas le droit de le manger. Et de nouveau, la Mishnah enseigne bien, Metam in et Tayadaim, ils vont rendre impurs les mains. L'impureté des mains, on explique un petit peu, c'est un concept purement midrabanan. En théorie, selon la Torah, si avec mon petit ongle je touche un sheretz, une souris morte, je deviens entièrement impur, même si c'est qu'un petit bout d'ongle qui l'a touché. D'accord? Parce que c'est moi. Il y a Chachamim maintenant, ça démarre depuis Shlomo Ameler, qui est le premier qui a fait la Xera. Ils ont, dans certaines situations, décrété que les mains allaient devenir impures uniquement. Donc, tu as touché des parties cachées, des parties où tu peux avoir de la transpiration, par exemple. C'est la raison pour qu'on fait Netiladaim. On rend impures les mains. Une impureté qui s'attache aux mains spécialement. C'est purement Midrabanan. Là, dans notre Mishnah, Chachamim, ils ont aussi décrété. Quand on étudie les Shabbat, on avait vu, là-bas dans les Shmona Esrei Devarim, on a vu aussi l'impureté des mains. On en avait parlé longuement. Masrei Shabbat, Perek. Aleph, Mishnah, j'imagine, Mishnah, Hey, peut-être d'Aleth, Hey. Et on avait, il y avait donc maintenant. Chachamim ont fait un décret spécial. D'abord, le Korban Pesach, passé Chatzot, on n'a plus le droit de le manger selon, c'est une marque dans la Gemara, selon, je ne sais plus qui. Il relègue sur Rabbi Akiva, mais c'est qui? Je crois que c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer qui relègue, je crois. Rabbi Eliezer ben Azaria, exactement. Jusqu'à Chatzot uniquement, on mange le Korban. Le Korban Pessah. C'est une machloquette, puisqu'à Chatzot, c'est là où Hachem a frappé les Égyptiens. Les Égyptiens, ils ont dit au Béni Israël, dégagez, on ne veut plus de vous. Malgré tout, nous, on est resté jusqu'au matin. On est sorti que le lendemain matin. Du coup, c'est là que c'est déduit, finalement, c'est quand le chat Ripazon, c'est quand qu'on a dû sortir d'Égypte. Est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est à Chatzot? Selon Rabbi Elazar ben Azaria, c'est jusqu'à Chatzot. De ce fait, passé Chatzot, on n'a plus le droit de manger le Korban Pessah. Du coup, de peur que tu vas venir à le manger machinalement, Rami, on décrétait une impureté sur les mains comme ça. Dès que tu vas le toucher, tu vas devenir impur, c'est sûr que tu vas prendre tes distances avec le Korban de Pessah, tu n'auras plus de tentation. Ok? C'est pour ça que la Mishnah nous dit, à Pessah, passer le Korban de Pessah, passer Chatzot la minuit, eh bien, Metamet Ayadaim, il rend impur les mains. De même aussi, ils ont fait aussi décréter, en fait, différentes choses que tu n'as pas le droit de manger, Rami, on décrétait une impureté, en l'occurrence, le pigoul et le notar, qui étaient des choses qui étaient initialement permises et qui sont devenues interdites parce que tu les as laissées traîner ou parce que tu as une mauvaise intention pendant que tu les as fait, eh bien, Metamin et Tayadaim aussi, on a décrété une impureté spéciale sur les mains. Ok? Deuxième sujet de la Mishnah, alors là, ça va devenir un petit peu délicat. Je traduis d'abord, on va découvrir une marloquette. Berach à Birkat à Pessah, Patar et Shel Zevach. Le soir de Pessah, on mange deux, korbanot, en temps normal. On mange le Shalmei Chagiga, de Chagigat Yudalet plutôt, le Korban Chagig qu'on a apporté dans l'après-midi pour manger de la viande, on avait déjà pris. En Pessah classique, on apporte deux Korbanot.
selon le nombre de consommateurs à table. Un premier korban chagiga, on fait le repas avec lui, puis après, en dégustation pour le dessert, on sort le korban pesach et on le mange grillé. Ok? Donc on mange la chagigat arba asar et puis après le korban pesach. La Mishnah vient m'enseigner, sache que maintenant, tu as deux korbanot. Chaque fois que tu manges une achila qui est d'une mitzvah, tu dois te réciter une bracha. Comme on mange à l'achilat maror, à l'achilat pesach, eh bien eux ils mangeaient aussi à l'achilat matzah, ils mangeaient à l'achilat pesach et à l'achilat zevach. Zevach, ça veut dire c'est l'offrande. Lorsque, alors du coup, on a deux brachot à faire le soir de korban pesach. On a le korban chalmé chagiat yudalet et le korban pesach. La Mishnah m'enseigne comme ça. Selon Rabbi Ishmael, berach birkat pesach, si j'ai fait la bracha sur le korban pesach, patar et shel zevach, j'ai dispensé de bracha le korban zevach, j'ai plus besoin de faire la bracha. Tandis que si j'ai fait le contraire, berach et shel zevach, j'ai fait la bracha sur le zevach, l'echol et zevach, et quand je vais venir ensuite à manger le korban pesach, je devrais refaire une bracha parce que le patar est shel pesach, je n'ai pas dispensé par la bracha de l'un l'autre. Le chagiga, il dispense, le korban pesach dispense de bracha le korban chagiga, mais le korban chagiga ne dispense pas de bracha le pesach. Ça c'est l'avis de Rabbi Ishmael, on va l'expliquer dans 30 secondes. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva nous dit non, l'ozo poterezo, ni l'un dispense l'autre, ni l'autre dispense l'un. Tu dois manger une pomme et une banane, tu dois faire boire après Aetz et tu dois faire boire après Adama. Même si ça commence à faire Adama sur Aetz, tu fais chacun. Il n'y a aucune raison que l'un dispense l'autre. C'est deux mitzvot différentes. Chacun il a sa bracha, tu fais chacun sa bracha. Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il pense? Alors là, ça devient délicat. La Gemara, chez nous dans le Talmud Bavli, elle explique d'une certaine manière. Et honnêtement, j'ai jamais compris ce qu'il a écrit. J'arrive pas à comprendre la logique de ça. En quoi? D'abord, je vous dis qu'est-ce qu'il a écrit. Et après, je vais vous rapporter une deuxième interprétation, qui est en fait la Gemara, cette fois-ci, dans Zvachim, qui propose une autre interprétation à la Machloket qui est beaucoup plus simple. Vous savez quoi? Je vais d'abord commencer par le plus simple. La Gemara dans Zvachim, pas rapportée dans le Barthénois, qui explique tout simplement la vie de Rabbi Ishmael et te dit, c'est pourquoi tu veux la bracha sur le Korban Pessah, tu dispenses le Korban Chagiga, parce que quelque part, le Korban Chagiga, il est tafel. Le plus important ici, c'est le Korban Pessah. Tu manges le Zevar uniquement en guise de préparation à ce que le Pessah soit bien consommé. Donc il devient tafel, il s'annule, son importance s'annule devant la consommation du Korban Pessah, donc du coup ça fait la bracha sur l'essentiel, tu dispenses le superflu. Ça c'est l'avis de Rabbi Ishmael, tandis que si tu fais la bracha sur le Korban Pessah, tu fais la bracha sur le superflu, tu ne vas pas dispenser l'essentiel, donc il ne faut pas que tu fasses une bracha. Dans la Gemara chez nous, on n'interprète pas cette discussion de la sorte, mais on interprète autrement. Rabbi Ishmael comme Rabbi Akiva, ils discutent en fait sur un tout autre sujet. Vous savez qu'il y a des corbanotes qu'il faut donner, en général, la plupart des corbanotes, le sang, tu dois asperger. Tu en prends le clé où il y a du sang et tu le jettes sur le misbéach. Il y a toutefois une discussion sur le korban pessah. Est-ce qu'il faut le donner bezrika ou beshficha? Shficha, c'est que tu le verses, ça veut dire tu t'approches sur le mur, tu colles l'ustensile contre le mur et tu laisses couler le sang. C'est beshficha. Il y a des fois, la Torah, elle s'exprime comme ça, vedam zevarecha yishafer, le sang de tes offrandes sera versé. Et d'autres, la Torah l'a dit, Vezarak, Vesharotu al Erech HaMizbach, Vezareku ben Aaron HaKohanim et Damo, ils aspergeront, donc il faut asperger, il faut jeter. Il y a des korbanot comme ça, et des korbanot comme ça, en général, la plupart des korbanot, en fait, c'est plutôt Bezrika. Korban Khatat, on met avec le doigt, on pose directement sur les angles. Il y a une discussion maintenant sur le Korban Pessah. Est-ce que le Korban Pessah, je dois le faire, Bishficha ou Bezrika? C'est-à-dire, la chagiga, c'est sûr que je dois la faire bizrika et pas bishficha. Je dois l'asperger et pas la verser. Le korban pessah, alors, une seconde. Il n'a pas précisé, c'est dans tout ça. Dekul almas viréleu, matana chad be pessah. Une seconde. Bishfichaï, voilà. Le korban pessah, d'après tous les avis, vous le donnez bishficha. Et le korban shlami, chagigat yudalet, le chagiga, il faut le donner bizrika. La seule question, elle est quoi? Elle est, si toutefois, j'ai fait j'ai donné le Korban Pessah, je l'ai fait en Zrika. Est-ce que je me suis dispensé? D'accord? Une seconde, je le dis exactement. Pessah, maintenant. Rabbi Yehuda Savar, Zrika Bichlal Shficha. Je me suis trompé, heureusement que j'ai revu.
Im natan anizrakim beshficha yatsa. Je dis le contraire, plutôt. Je recommence. Le korban pesach, je dois le donner qu'en versant. Le korban shlamim, je dois le donner en aspergeant. Maintenant, si j'ai inversé, est-ce que je me suis quand même acquitté du korban? Est-ce que le korban il est caché ou pas? Selon Rabbi Akiva, c'est invalidé. Le korban il sera peut-être caché, on sera acquitté de la mitzvah, mais en tout cas, on ne pourra plus le manger, il a été invalidé. Selon Rabbi Akiva, tu ne peux pas donner ni le korban pesar, tu ne peux pas l'asperger, ni le korban shlamim, tu peux le verser. Donc, du coup, puisqu'ils sont foncièrement distincts l'un de l'autre, la bracha de l'un ne dispense pas à l'autre. Selon Rabbi Ishmael, ça ne se passe pas comme ça. C'est vrai que le korban pesar, tu dois le faire que bishficha, et pas bizrika. Si tu l'asperges, c'est pas bon. Mais malgré tout, le shlamim que je t'ai demandé de l'asperger, si a posteriori t'es parti, tu l'as versé, tu t'es acquitté quand même. Il s'avère que finalement, lorsque tu fais... Alors le korban pesar, après c'est des règles d'ensemble, le korban pesar, il peut englober dans son ensemble, il peut englober aussi le korban shlamim, puisque finalement, le korban pesar, je t'ai demandé de le verser, même le shlamim aussi, c'est un korban qui peut se verser a posteriori. Donc si je fais la bracha sur le korban, alors c'est la logique maintenant, ça, ce que je ne comprends pas maintenant, c'est quel rapport, pourquoi la manière de faire l'aspersion du sang, ça va te dispenser maintenant de... ça va dispenser la bracha. Quand tu fais la bracha sur le korban pesar, tu as dit que tu fais la mise à deux manger un korban pesar. Un korban pesar, c'est pas un shlamim, comment tu peux dire que ça marche en tant que zévar? J'ai pas compris. Depuis que j'étudie cette mishnah avec les enfants, et depuis qu'on étudie dans ce farkim aussi. Je comprends pas la logique, personnellement, c'est pas grave. Peut-être que quand on fera la prochaine fois qu'on fera Psachim dans une dizaine d'années, peut-être que j'aurai un peu plus d'éclaircissement sur la question. En tout cas, donc ça dépend de ça. Selon Rabbi Ishmael, puisque le korban pesar, il peut englober dans son élément, il peut englober aussi les zvachim, la bracha du korban pesar acquitte les zvachim, acquitte le shlamim. Tandis que la bracha du shlamim ne dispense pas le korban pesar. Et c'est... Tout, Baruch Hashem, on a fini, Mazal Tov, on a fini maintenant le Masechet Psachim, Adran Alach Masechet Psachim, Belineder, on va boire un petit Lechaim ensemble. D'abord, non, excusez-moi, on commence Masechet Shkalim tout de suite parce qu'il ne faut jamais rester sur une fin. Donc, Be'achad Ve'adar Mashmim Ala Shkalim Ve'ala Kilaim, le premier Adar, on diffuse, on publie. La nécessité des shkalim et des kilaim, on va expliquer quand on étudiera la prochaine mission. Les shkalim d'abord, on peut expliquer, c'est facile. C'est que dès que rentre le premier radar, on rappelle en fait aux gens qu'il va falloir donner leur petit don des shkalim du Machatzit HaShekel. D'accord? Maintenant, on se boit le petit lechaim ensemble, en se souhaitant, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de continuer encore beaucoup de maserkot ensemble, de finir ensemble de chasse, et même plus, qui sait, Bezrat Hashem. Et voilà, lechaim. טובים ולשלום ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בו פרי הגפן. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslacha, kol tov, salam.